Nous allons vous montrer maintenant comment demander des bons de travail dans la section « Mes réparations ». La page « Résumé des réparations » affiche tous les bons de travail en cours et antérieurs pour votre logement. Vous pouvez utiliser la fonction « Trier et filtrer » pour retracer un numéro de bon de travail ou des demandes de travaux à partir d'une date ou d'une autre. Vous pouvez également consulter les bons de travail des 12 derniers mois. Si vous cliquez sur « Afficher les détails », une autre page s'affichera à l'écran et vous permettra de voir le statut de la demande, la description des réparations ou services, les notes à propos de l'accès et la date provisoire du rendez-vous ou la date de fin des travaux pour des bons de travail créés antérieurement. Pour demander un bon de travail, cliquez sur le bouton « Signaler une réparation à faire à cette adresse ». Voici quelques points que vous devez savoir avant de commencer. Le site « Chez moi » permet aux locataires de faire des demandes de services d'entretien non urgents. Pour les urgences, composez le 613-731-1182. Vous allez devoir indiquer si vous nous donnez l'autorisation d'entrer dans votre logement pour y effectuer la réparation ou le traitement en question. Vous pouvez demander des services de lutte antiparasitaires, mais ces demandes doivent être faites séparément des autres demandes de services d'entretien. Des illustrations vous aideront à choisir la réparation que vous voulez obtenir. En guise d'exemple, nous allons voir comment faire pour signaler une réparation à faire à une toilette. Maintenant, cliquez sur l'illustration « Toilette et accessoires de toilette ». Maintenant, sélectionnez la partie de la toilette qui doit être réparée. Si votre demande de bon de travail n'est pas urgente, vous allez pouvoir ajouter vos commentaires et sélectionner « Ajouter au panier ». Le bon de travail vient d'être ajouté à votre panier. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 tâches en sélectionnant « Ajouter une tâche ». Une fois que vous avez ajouté dans votre panier toutes les réparations que vous voulez obtenir, cliquez sur « Suivant ». Après quoi, on vous demandera si LCO peut entrer dans votre logement pour faire la réparation durant votre absence. Vous devez choisir parmi les 3 options sur cette page. Si vous n'autorisez pas le personnel de LCO à entrer et que vous êtes absent ou absente quand le personnel se présentera chez vous, vous allez recevoir un préavis de 24 heures indiquant la date et l'heure à laquelle le personnel reviendra. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur « Soumettre » et votre bon de travail sera traité. Bravo! Vous avez réussi à soumettre une demande de bon de travail. Vous pouvez maintenant signaler une autre réparation ou cliquer sur « Retour au résumé des réparations » si vous voulez prendre connaissance du statut de tous vos bons de travail.